Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo preview pour les films qui vont sortir en 2021. C'est un exercice que j'avais déjà fait en 2020, que j'avais bien aimé, même s'il y a eu forcément énormément de films qui ne sont pas encore sortis, qui ont été reportés, qui ont eu tout un tas de soucis. Voilà, donc il y a certains films qui seront en doublon par rapport à la liste preview 2020. Pour cette année, j'ai choisi donc 21 films pour 2021. Voilà. C'était cadeau ça. J'ai choisi en tout premier le film Candyman qui est réalisé par Nia DaCosta qui est produit par Jordan Peele qui devrait sortir en août 2021. On en sait un petit peu plus à propos de l'histoire du film. On va suivre le personnage d'Anthony qui est un artiste peintre qui n'a plus beaucoup d'inspiration, qui s'installe dans l'ancienne cité de Cabrini Green. La cité qu'on a vue dans le tout premier film a été détruite et a laissé place à un complexe immobilier qui est réservé à une classe sociale jeune et aisée. Dans cet endroit, Anthony va faire la rencontre d'un ancien habitant de la cité qui va lui raconter toutes les histoires autour du personnage de Candyman et Anthony va décider de s'en servir pour trouver l'inspiration pour ses nouvelles œuvres d'art au point que le personnage de Candyman va vraiment venir hanter l'artiste et ses toiles. J'ai trop hâte de voir ce film, c'est un des films que j'attends le plus cette année, que j'attendais déjà le plus en 2020. Donc là, je suis trop impatiente qu'il sorte. La bande-annonce me fait trop envie. Tout ce qui est autour de ce film me fait trop envie. Donc j'espère surtout ne pas être déçue. Ensuite, j'ai choisi le film Affamé, qui en VO s'appelle donc Antlers, qui n'a pas de date de sortie pour le moment pour 2021. J'espère qu'il ne sortira pas uniquement en VOD. Pareil, la bande-annonce me fait énormément envie. Pour le synopsis, on nous dit dans une petite ville minière de l'Oregon, une institutrice et son frère policier enquêtent sur un jeune écolier. Les secrets de ce dernier vont entraîner d'effrayantes conséquences. J'ai l'impression que c'est un film qui tourne autour de la légende du Wendigo. Dans la bande-annonce, on voit un personnage qui a l'air d'avoir des bois, comme le Wendigo. Ça a l'air assez obscur, assez sombre comme film, en tout cas. Tous les visuels qu'on a eus me plaisent beaucoup, donc j'espère qu'on pourra le voir en salle. Ensuite, le film Conjuring 3 sous l'emprise du diable. J'ai super hâte de le voir, même si je suis quand même assez mitigée dans le sens où ce n'est pas James Wan qui va réaliser Conjuring 3, c'est le réalisateur Michael Chavez. Pour l'histoire, on suit encore un des dossiers où Warren, on nous dit Ed et Lorraine commencent par se battre pour protéger l'âme d'un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense. Le film devrait sortir en juin 2021. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner, un Conjuring qui n'est pas réalisé par James Wan. J'aime beaucoup cet univers, j'aime beaucoup les personnages de Ed et Lorraine Warren, donc je pense que dans l'ensemble, je ne serai pas déçue. Mais est-ce qu'il va pas manquer ce petit truc qui fait tout le charme des films de James Wan? On reste avec notre ami James Wan pour le quatrième film, puisqu'il s'agit du film Malignante, qui n'a pas de date de sortie, qui n'a pas de synopsis officiel qui sont sortis. On vient juste d'apprendre que le film sera classé R aux États-Unis, donc c'est-à-dire que c'est un film qui est interdit aux moins de 17 ans, pour sa forte violence horrifique, ses images macabres et son langage. Vu comme ça me fait forcément penser au film Saw, le premier avait été réalisé par James Wan, avec un univers quand même assez sombre, assez violent, assez glauque. Ça me laisse dire que va peut-être laisser de côté le paranormal pour se remettre un petit peu plus dans le cinéma horrifique. En tout cas, James Wan, c'est un réalisateur que j'aime énormément, en qui j'ai grande confiance. J'ai vu absolument tous ses films, j'ai même maté Fast and Furious parce que y en a un qui est réalisé par James Wan. Voilà, c'est pour vous dire combien je l'aime. Donc j'ai pas de doute concernant ce film-là, j'ai juste hâte qu'on en sache un petit peu plus et qu'on ait au moins une bande-annonce. En cinquième, j'ai choisi le film La Nuée, qui est un film d'horreur français qui est réalisé par Juste Philippot. C'est un film qui a fait pas mal d'avant-premières, pas mal de projections presse, donc il y a beaucoup de gens qui en ont déjà parlé. Perso, j'ai pas eu la chance de le voir parce que l'avant-première que j'avais organisée a été annulée à cause du couvre-feu. Voilà. Pour le synopsis, on nous dit difficile pour Virginie de concilier sa vie d'agricultrice avec celle de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus. Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles. Au vu de la bande-annonce, j'ai l'impression qu'elle va les nourrir avec du sang. Voilà, on comprend qu'à un moment, elle va avoir un accident dans sa serre, qu'elle va être blessée et que, à son réveil, les sauterelles se sont nourries de son sang. Et je pense que comme sa production n'est pas assez prolifique, elle va peut-être, je sais pas, peut-être tuer des gens pour pouvoir nourrir ses sauterelles et avoir un élevage beaucoup plus productif. C'est un film qui me fait vraiment super envie. Il y en a beaucoup qui parlent de body horror. Je sais que c'était dans les inspirations du réalisateur, donc je suis trop impatiente de voir ça. En sixième, j'ai choisi le film Saint-Maud qui est réalisé par Rose Glass. Je vous en ai parlé dans mon top 10 des films de 2020 parce que je l'ai vu en projection presse en 2020.
et que je l'ai absolument adoré. C'est un film vraiment qui m'a vraiment retourné. J'ai adoré, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça bouleversant, j'ai trouvé ça effrayant. J'avais de la chair de poule, j'ai passé toute la journée à y réfléchir, à y repenser après l'avoir vu. Il m'a vraiment chamboulé. Pour le synopsis, on nous dit Maude, infirmière à domicile, s'installe chez Amanda, une célèbre danseuse fragilisée par la maladie. Amanda est d'abord intriguée par cette jeune femme très croyante qui la distrait. Maude, elle, est fascinée par sa patiente, mais les apparences sont trompeuses. Maude, tourmentée par un terrible secret et par les messages qu'elle pense recevoir directement de Dieu, se persuade qu'elle doit accomplir une mission, sauver l'âme d'Amanda. Foncez le voir quand il sortira. Il n'y a pas de date qui a été annoncée pour la France. Je croise les doigts pour qu'il sorte très rapidement en salle. En septième, encore un film français avec le film Teddy, qui va sortir a priori en mars 2021, qui a l'air assez décalé, un peu absurde, et c'est le genre de film qui me tente bien en général. Pour le synopsis, on nous dit dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois. Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit chez son oncle adoptif et travaille dans un salon de massage. Sa petite amie Rebecca passe bientôt son bac, promise à un radieux avenir. Pour eux, c'est un été ordinaire qui s'annonce, mais un soir de pleine lune, Teddy est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui suivent, il est pris de curieuses pulsions animales. Ça a l'air assez fun comme film, assez décomplexé. C'est le genre de projet qui me tente. En plus, c'est français. Donc allons-y. En huitième, le film Freaky, qui est réalisé par Christopher Landon, qui avait réalisé les deux premiers films Happy Birthday, donc qui continue dans une veine de comédie horrifique. Moi, c'est un style que j'aime beaucoup, donc voilà, la bande-annonce est absolument géniale. Il n'y a pas de date de sortie qui est annoncée pour le moment, mais je pense qu'il va sortir quand même très prochainement, dès que les cinémas pourront rouvrir. Pour le synopsis, on nous dit Millie, une adolescente de 17 ans occupée à faire bonne figure dans son très élitiste lycée, devient la nouvelle cible du boucher, un tueur en série tristement notoire. Son année terminale va alors devenir le cadet de ses soucis parce que les deux personnages vont échanger leur corps au moment où en fait le boucher va essayer de tuer Millie. Ça, on le voit dans la bande-annonce, hein. Et en fait, le tueur en série va se retrouver dans le corps de la lycéenne et la lycéenne dans le corps du tueur en série et ils vont devoir se retrouver pour récupérer chacun leur identité. Ça a l'air vraiment très fun, très décomplexé, assez gore. La bande-annonce est hyper rythmée. Première fois que je l'ai vu au cinéma, je me suis dit, il faut absolument que ce film sorte et que je le voie surtout parce qu'il est vraiment trop cool. Il y a vraiment une très bonne vibe qui émane de ce projet. En neuvième, le film Halloween Kills, qui est donc la suite du Halloween qui était sorti en 2018. Il sortira forcément en octobre 2021. On nous dit juste, après les événements de Halloween, Michael Myers, qui a survécu à l'incendie de la maison de Laurie Strode, est de retour, comme toujours. C'est le je ne sais plus combientième volet de la saga. Je suis pas une grosse fan de la saga Halloween. Sincèrement, c'est une saga comme une autre pour moi. Je pense que c'est une saga qui a aussi beaucoup traîné en longueur. En dixième, j'ai mis le film Spiral, l'héritage de Saw, qui a priori sortirait en mai 2021. On nous dit, travaillant dans l'ombre d'une légende locale de la police, le lieutenant Banks et son nouveau partenaire enquêtent sur une série de meurtres macabres dont le mode opératoire rappelle étrangement celui d'un tueur en série qui sévissait jadis dans la ville. Pris au piège sans le savoir, Banks se retrouve au centre d'un stratagème terrifiant dont le tueur tire les ficelles. Je trouve que le synopsis nous fait croire que ça va être encore une histoire qui tourne autour de Jigsaw, mais au vu de la bande-annonce, j'ai plutôt l'impression que ça va se passer bien avant le premier Saw. Je trouve qu'il y a un esprit un peu années 90 dans la bande-annonce, peut-être que je me trompe complètement, j'en ai aucune idée, mais c'est vraiment l'impression que j'en ai, et c'est ce qui me fait dire qu'on va peut-être voir un tueur qui aurait inspiré Jigsaw par la suite, mais que ça sera pas le personnage qu'on connaît dans la saga. Ensuite, il y a le dernier volet de la saga American Nightmare qui devrait sortir en juillet 2021. Il n'y a pas de bande-annonce qui est sortie, il n'y a pas de synopsis officiel, il y a juste eu le visuel de l'affiche qui est sorti, mais le titre me laisse croire que ça sera sûrement la dernière purge. Et le fait qu'il y ait Forever dans le titre, ça me laisse penser que les autorités vont peut-être laisser tomber les citoyens et qu'en fait la dernière purge va durer éternellement dans le sens où ils vont les laisser juste s'entretuer et plus personne ne s'occupera plus de rien. C'est une saga que j'aime bien, American Nightmare, mais sur laquelle je suis toujours quand même assez mitigée dans le sens où je trouve le concept de base absolument génial. Mais je trouve que dans tous les films, ça a quand même été assez mal exploité comme concept. Et c'est ce que j'avais bien aimé retrouver en fait dans la saison 2 de la série American Nightmare qui est disponible sur Prime Video. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner ce cinquième film, mais j'ai bon espoir. Ensuite, il y a encore un film français, c'est le film Méandre qui devrait sortir en février 2021 qui est réalisé par Mathieu Turi qui avait réalisé le film Hostile. Pour l'histoire, on nous dit une jeune femme se réveille dans un tube rempli de pièges mortels. Pour ne pas mourir, elle devra constamment avancer. Forcément, vu comme ça, je pense tout de suite à Saw, voilà, avec des personnages qui sont dans un piège et qui doivent avancer au fur et à mesure. Les pièges deviennent de plus en plus difficiles. C'est peut-être un personnage qui va être coupable de quelque chose et qui va devoir expier ses fautes en traversant ces étapes.
Forcément, vu que je pense à Saw, je pense au torture porn, alors que c'est peut-être absolument pas ça, mais en tout cas, c'est ce que ce tout petit synopsis m'évoque. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais comme c'est un film français, je soutiens. Ensuite, j'ai noté le film La femme à la fenêtre, qui était un film qui devait sortir au cinéma en 2020, qui a été reporté et qui finalement est repris par Netflix. J'ai vraiment hâte de le voir. C'est pas un film d'horreur, c'est plutôt un film thriller psychologique. Mais j'avais adoré le roman en fait, qui a inspiré donc ce film-là, qui est avec Amy Adams et dans lequel on va suivre le personnage d'Anna Fox, qui est psychologue pour enfants et qui est agoraphobe. Elle vit recluse dans sa maison de New York et passe le plus clair de son temps à regarder de vieux films, à espionner ses voisins. Et en fait, cette femme-là, elle va être témoin d'un meurtre, sauf que personne ne va la croire parce qu'elle donne des détails vraiment bizarres sur les gens, parce qu'en fait elle espionne ses voisins, donc elle connaît vraiment leurs habitudes et tout, et elle va se rendre compte que dans la routine de ses voisins d'en face, il y a des choses qui vont changer, et elle est persuadée que le mari a tué sa femme, sauf que forcément personne ne veut la croire, elle veut pas sortir de chez elle, c'est très compliqué par rapport aux policiers et tout. C'est vraiment une histoire que j'avais adorée, le roman m'avait vraiment captivée, et je suis trop impatiente de voir une adaptation d'un roman que j'ai autant apprécié. Ensuite, encore un film français avec The Deep House qui n'a pas de date de sortie, qui est réalisé par Alexandre Bustillo et Julien Maury. Je suis assez mitigée sur leur travail parce qu'il y a des films que j'adore et des films que je déteste. Le synopsis nous dit: un couple de reporters photographes décide d'explorer une maison engloutie dans les Pyrénées et tente de réveiller l'esprit du lieu. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je trouve ça plutôt intéressant de faire un film qui va se passer sous l'eau, en fait, sous une ville engloutie, dans une maison engloutie. Je pense que ça peut être extrêmement angoissant et extrêmement anxiogène. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Voilà, parce que comme je vous disais, les réalisateurs, je suis assez mitigée sur leur boulot, donc ça peut être très bien comme ça peut être très mauvais. En 15e, j'ai mis le film Last Night in Soho qui devait sortir fin 2020, qui sortirait a priori en avril 2021, qui est réalisé par Edgar Wright avec Anya Taylor-Joy. Le synopsis: une jeune femme passionnée par la mode parvient mystérieusement à voyager dans les années 60 où elle rencontre son idole, une éblouissante chanteuse en devenir. Mais le Londres des années 60 n'est pas ce qu'il paraît et le temps semble se désagréger avec d'obscures conséquences. Très mystérieux comme synopsis, je trouve. Ça fait horreur et science-fiction en même temps. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Edgar Wright, j'adore sa trilogie du Cornetto. Je n'aime pas spécialement Scott Pilgrim, je n'aime pas spécialement Baby Driver. Voilà, pour moi, c'est vraiment la trilogie du Cornetto. Donc, à voir. En 16e, j'ai mis Massacre à la tronçonneuse. Oui, encore un. Le synopsis, qui n'est pas vraiment un synopsis, nous dit: en 1974, le monde était témoin des crimes les plus étranges de l'histoire américaine. En 2021, le visage de la folie revient. Et a priori, ce film serait un reboot de la saga et non pas un remake. Et ce film prendrait place juste après le tout premier film Massacre à la tronçonneuse. Ils font en fait la même chose que le nouveau Halloween qui était sorti en 2018, qui ne prenait pas en compte toutes les suites qui étaient sorties entre le premier et le dernier. Donc c'est un concept que je trouve un peu bizarre, le fait d'effacer comme ça ce qui a été fait, de pas vraiment assumer entre guillemets les suites qui ont été pondues au fur et à mesure des années. Pour Massacre à la tronçonneuse, je peux comprendre dans le sens où les suites sont franchement pas terribles. Je trouve que le côté on n'assume pas un peu étrange, mais après je suis pas une grande fan de Massacre à la tronçonneuse. Je suis entre deux pour ce genre de film. Ensuite en 17e, j'ai mis le film Sans un bruit 2 qui devrait sortir en avril 2021, qui prend suite juste après le tout premier film. Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbott doit faire face aux dangers du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à s'aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin. J'avais beaucoup aimé le premier film, mais j'attendais pas spécialement une suite. Je sais que j'irai le voir, mais je suis pas hyper impatiente de le voir. Ensuite, j'ai noté le film The Collected, qui est le dernier volet de la trilogie The Collector, qui est un film que j'aime énormément. Il n'y a pas de date de sortie, il n'y a pas de synopsis. The Collector, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de le regarder. J'ai adoré le concept, je le trouve super original. C'est du torture porn, donc faut aimer. Mais en fait, l'histoire est trop cool. On suit un personnage qui fait des travaux en fait dans une maison et qui va décider de retourner dans la maison dans laquelle il a fait des travaux pour cambrioler les gens. Sauf qu'une fois arrivé sur place, il y a une espèce de tueur en série qui a mis en place des pièges dans toute la maison pour assassiner la famille. Et il va devoir décider s'il cambriole la maison et il se barre, ou s'il reste dans la maison et il décide d'aider les gens. Sincèrement, c'est un très bon film. Il y avait eu une suite qui était sortie qui s'appelle The Collection.
Donc, je suis vraiment impatiente de voir ce qu'ils vont faire avec ce film parce qu'il y a un bon concept, j'espère qu'ils vont pas l'user. En 19e, j'ai noté le film There is Someone Inside Your House qui va sortir directement sur Netflix. Netflix, en 2021, ils ont prévu de sortir des programmes originaux Netflix quasiment un par semaine, il me semble. Ils ont déjà établi une liste de plusieurs titres qui sont rangés par catégorie, donc j'ai pris ceux qui étaient dans la catégorie horreur. On nous dit que c'est inspiré d'un roman, que c'est un slasher dans la lignée de Scream Queens et Souviens-toi l'été dernier. Une adolescente voit ses camarades de lycée se faire tuer et va devoir tout faire pour ne pas être la prochaine victime. Scénario hyper bateau, hyper basique. C'est vraiment le scénario de base de n'importe quel slasher. Donc, à voir si ça va être original ou pas, parce que pour moi maintenant, pour faire un bon slasher, il faut vraiment que ça soit super original et que ça réussisse à se démarquer du lot. Si c'est pour faire un film qui ressemble à Souviens-toi l'été dernier ou qui ressemble à Scream, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc, il va me falloir un personnage principal féminin qui soit hyper efficace, qui soit quand même assez badass, mais qui soit normal, voilà, auquel on peut s'identifier facilement. Mais il va surtout falloir que le boogeyman soit super cool, qu'il y ait un bon design, s'il porte un masque ou s'il porte un costume, il va falloir que ça soit original. Parce que si c'est pour faire une ressucée de ce qui existe déjà, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, j'ai noté la trilogie Fear Street qui va sortir aussi sur Netflix. Donc il y aura un film qui va s'appeler 1994, un qui va s'appeler 1978 et un 1666. C'est inspiré des romans de R.L. Stine qui écrivait les romans Chair de poule. Et on nous dit que tous les films se passent dans la même ville à plusieurs époques différentes. Et j'ai lu le résumé vite fait de 1994 et j'ai l'impression que ça va être centré autour d'une bande de jeunes, donc dans un esprit un peu ça, ou Stranger Things par exemple. Et je pense que ces jeunes vont être l'élément central en fait de toutes les histoires, peut-être qu'ils vont découvrir des éléments dans leur ville qui vont faire qu'une personne raconte une histoire qui s'est passée à une autre époque ou quelque chose comme ça, ou qui vont mener l'enquête sur ce qui s'est passé dans leur ville. Ça me branche, j'aimais bien les romans Chair de poule quand j'étais petite, j'aimais bien toute cette vague de romans qui avait eu horreur destinée aux enfants et aux ados. Donc c'est la fibre nostalgique qui parle. Et en dernier, j'ai noté le film Détour mortel qui sera le 7e volet de la saga. Je pensais que ça serait genre Détour mortel origine où on verrait comment le clan des espèces de cannibales s'est formé au fur et à mesure du temps. Sauf qu'en fait, c'est un reboot de la saga et qui va prendre place après le premier film. Voilà. Pareil, ils balayent toutes les suites qui ont été faites et ils font en fait la suite du premier qui était sorti en 2003. La bande-annonce est plutôt chouette, le ton du film a l'air assez sérieux, ce qui change parce que les derniers volets de Détour mortel, c'était parti en cacahuète, c'était hyper rocambolesque. Et la seule chose qui faisait qu'on regardait les suites de Détour mortel, c'était pour l'originalité des meurtres. Donc faire quelque chose de plus cohérent par rapport au premier film, de plus sérieux. Pourquoi pas? Sincèrement, je suis assez preneuse. J'espère que cette liste de 21 films pour 2021 vous aura inspiré, vous aura plu, que vous aurez noté plein de films sur votre watchlist. J'espère surtout que les cinémas vont bientôt rouvrir parce que ça manque vraiment énormément, même s'il y a eu pas mal de sorties en DVD, en Blu-ray, en VOD. J'ai hâte de retourner au cinéma, j'ai hâte que tous ces films puissent sortir au ciné, que vous puissiez voir Saint Maud, qu'on puisse enfin voir Candyman, quoi. Il y a plein de films que j'ai vraiment trop hâte de découvrir en salle. On est le 14 janvier 2021, donc il n'y a pas du tout d'infos qui ont été données à propos d'une éventuelle réouverture des salles de cinéma. Donc à voir dans les jours ou dans les semaines à venir. Voilà, moi je croise les doigts très fortement. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like et à la commenter pour me dire quels sont les films que vous vous attendez pour 2021. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre de description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!